Flash info! Les bilans de météo de ce soir sont extrêmement normaux! Et accessoirement, l'apocalypse zombie a commencé. Hey! Mais t'as essayé de me mordre! Oh, je suis désolée, je voulais pas te faire du mal. Oh, tout va bien, elle voulait pas me faire de mal. J'aurais pu devenir un zombie! Comment réagirais-tu si je te mordais le bras, toi, hein? Bip! Flash info! Une apocalypse d'animatronique a commencé! Plus d'infos après cette page de pub! Mais utilisez la porte! Palsambleu! C'est le costume le plus ridicule que mes vies restant jamais vu! Costume? Sache, la donzelle, que je suis une véritable grande menace des mers! Bien sûr! Et moi, je suis le capitaine Crochet! Vraiment! Je reconnais un imposteur quand je le vois, en sachant que je suis une vraie capitaine pirate! Ah, vraiment? Et où est donc ton crochet, hein? Tu veux dire mon couple-là? Les crochets, ça fait trop les années 1700! C'est vrai! Un véritable pirate n'est rien sans son fidèle chapeau! Il m'accompagnait toujours sur la dunette. Un véritable pirate n'a pas honte de montrer ses cicatrices. Je ne sens plus mes jambes depuis des années. Un vrai pirate n'hésiterait pas à prendre des otages. Un vrai pirate ne laisse pas de survivants. Et ton putain, tu l'oses si bien que le mien. Et que penses-tu de mon bateau? Et ça, il arrive sur terre! Non, non! 10 ans d'accordéon! Oh putain! Des cicatrices! Et plus de... J'ai oublié ce que je voulais dire. Aïe! Ça doit être leur premier duel. Il me faut un challenger. Je crois que t'es pas arrivé à bon port. Personne ne peut vaincre Foxy, le renard pirate. Un renard? Il ressemble plus à un petit chaton. Hey, ferme ton clapet. Au contraire, mon ami félin. Je vais pas me gêner. C'est parti pour un rap battle. 3, 2, 1, go. Sors tous ces tridents. À toi le chat. Utiliser l'autre main quand t'essuies. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Regarde! Un Among Us du jeu vidéo! Among Us! Regarde, il y en a un autre! Et un autre! Mon dieu, il y a des Among Us partout! Ou des Among Us? Des Among Us? Peu importe. Waouh, j'arrive pas à croire qu'Among Us existe! Ouais! Comme le Père Noël! Et non. Oh! L'imposteur dit quoi? Hein? Non, mais t'es censé dire que... Oh, laisse tomber. L'imposteur dit hein? Quoi? Ah! Among Us, Among Us, Among Us, Among Us! C'est ça, votre honneur. Mon poteau Freddy ici présent est l'imposteur! Quoi? L'imposteur? Mais c'est pas moi l'imposteur, c'est sûrement lui l'imposteur, il m'accuse d'un coup! Écoutez, écoutez, frères et sœurs haricots! Il est armé! Quoi? Among Us! Quoi? Vous vous fichez de moi? Patasse! Attendez, les gens! Je suis encore là! Je suis coincé à la main du...
casque. Attendez, non, non, pitié. Attends, on est des robots, on peut respirer ici. Ha, il n'y a rien à craindre. Tu es très désagréable. Oh, je suis impatient de lire un bon livre. C'est bien le club de littérature. Fantastique, un nouveau membre. Installe-toi confortablement. Très bien tout le monde, aujourd'hui on va lire Boucle d'or et les trois ours. Tout près de la forêt, psst, habitait une petite fille qui avait les cheveux si longs et si bouclés qu'on l'appelait... Oh, merci. Oh, mon Scott, qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, ouais, ça, j'ai tendance à m'énerver quand on s'approche trop de mon mec. Reprenons. Les trois ours décident de faire une petite promenade en attendant que le déjeuner refroidisse un peu. Y aurait-il un problème, Freddy? Non. Bien. Le petit ours, regardant son bol, dit « Quelqu'un a mangé toute ma soupe !» Le grand ours avança dans la pièce et vit sa chaîne. Et pour terminer, le moyen ours alors vers sa chaise. Enfin, j'étais pour moi toute seule. J'ai un gros crush sur toi, Freddy Fazbear. Embrasse-moi. Eh bien, il fait un peu sombre ici. Est-ce qu'il y a un problème, Freddy? Bien sûr. T'as tué toutes mes amies. Enfin, je les connais depuis seulement 1 minute et 22 secondes, mais... Parlez d'eux. Parlons plutôt de nous. Qu'est-ce que tu préfères chez moi? Tu as une bonne posture? Posture. Ouais, c'est super important pour la santé. Oh, je suis vivant! Maintenant qu'ils sont hors de la vidéo, on peut enfin être ensemble. Pour toujours. Juste nous deux. Attends, c'est une compilation? Non, non! Pitié, me laisse pas! Quelle idée sensationnelle! Ouais, elle est bonne, celle-là. Sense! Sense! Viens voir! J'ai enfin réussi! J'ai attrapé des humains! Ouais! Laisse-nous sortir! Je suis très en colère! Tu vois? Des humains! Je pense pas que c'est des humains, frérot. Tu devrais les libérer. En fait, on reste là-dedans par politesse. Silence, vous! Bien sûr que c'est des humains, Sense! Je le sens dans ma jugulaire! Je pense pas que ce soit des humains. Mais ça, oui. Hein? Diantre! Je suppose que je dois laisser les non-humains partir. Ah, mauvais bouton. Eh frérot, je crois qu'on devrait se débarrasser de ce mauvais bouton. Allez, salut tout le monde. Allez, petit, tu le veux pas? Hey, je vois que toi aussi tu te défoules sur les gosses pour oublier la douleur de ta vie ratée. Et toi? Ah ouais. Et ta couleur préférée, c'est le... Violet. C'est dans le nom, Carigna. Ok, dernier truc avant de préparer notre mariage. La couleur de ta voiture est... Ponceau. Violette. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, un ponceau. Pourquoi? Tout ce que t'avais à dire, c'était violette! Espèce d'ignorante! Dégage, gamin. Freddy! J'ai eu quelque chose que tu m'as dit que j'aurais jamais! Des jambes? Non. Une copine! Une quoi? Bonjour. Qu'est-ce que... Elle est pas ravissante. Arrête, c'est toi le plus mignon. Et cette couleur? Arrête ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça te dit qu'on se casse d'ici pour aller s'amuser un peu? Oui. Ma chère Bonnette, oh, tu es toujours aussi magnifique. Je pense qu'on devrait rester amis. Quoi? Bon, je dois y aller. Salut. Quelle perte de temps! Allez, on se prend des hot dogs. Attends, elle est passée où? Hein? Ah!
Boris? Je suis pas Boris, hein, Cal. Je suis Foxy. Ah, Boris, mon cher ami, tu ne peux pas me berner. Ta petite truffe est reconnaissable de partout. Cesse de m'appeler Boris, sale gredin. Qu'est-ce qui te donne cette idée? L'idée? Sois maudit! Ah, pourquoi fais-tu la tête? Tu adorais le vieux gag de l'ampoule. Oh, c'est comme si tu n'étais pas Boris. Parce que c'est le cas. Quel rigolo, ce Boris. Arrête de m'appeler Boris. Tu me fais marcher, Boris. Je vais te lâcher comme un dallo si tu m'appelles Boris une fois de plus. Boris. Quoi? Rien. Oh, mon Kraken, épargne-moi. C'est l'heure de rentrer, Boris. Bendy, que t'ai-je dit à propos de créer des portails vers le royaume de l'encre? Désolée, les démons, vous savez comment c'est. Valora! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux enlever la grosse ruche sur la fenêtre? Elle fait peur! Ok, montre-moi où elle est. Merci Valora, t'es la meilleure! Bon. Oh oh. Quoi? C'est quoi ce bustel? La maison! Maman! Une méchante dame bleue a cassé la maison! De quoi? Va chercher ton père. Personne ne s'en prend à notre ruche! Hasta la vista! Une ambulance ou... Dégainez! Aujourd'hui, nous allons faire de la géographie. Le pays du Liechtenstein se situe entre l'Autriche et la Suède. Jamais boire le lait d'une girafe après Noël. Très bien, les enfants. Je suis revenue des toilettes. Bon, qui peut me dire ce qu'est l'élément moteur de la cellule? Oh, mon Dieu! Jérémy! Ne mets pas de chewing-gum sous mes bureaux! Va tout de suite au coin! Merci d'avoir pris le relais. Mouah! Prof. Je ne savais pas que mon rancard à l'aveugle le serait vraiment. Car elle n'a pas vu l'heure. Elle est en retard. Hey. Est-ce que t'es une girafe? Tu dis ça parce que je suis grande? Est-ce que t'es un grand ver d'eau? Ok, bon... Tu fais quoi comme boulot? Tu n'as pas de travail, n'est-ce pas? Quoi? Bien sûr que j'ai un travail! Je fais des critiques pour blesser le moral des jeunes d'aujourd'hui! Donc... T'es un harceleur? Les rôles...
Et toi, que fais-tu, chère dame masquée ? De la magie. De la magie ? Qu'est-ce qui est si marrant sur la magie ? Eh bien, aux dernières nouvelles, la magie n'est pas... réelle. Et ça, c'est bien réel pour toi ! Peu importe, j'ai pas besoin de toi. J'ai un autre rencard à l'aveugle. Donc, apparemment t'aimes le violet ? Vas-y, violet. Ici Henri. Hey, mon amigo, comment va la moustache que tout le monde adore ? Ma moustache... Je t'ai eu ! Personne n'aime ta moustache ! Hey, comment osez-vous ? Cette moustache a été transmise de génération en génération, alors je vous interdis... Police, je vous écoute ? Police, je vous éproute. Allez, avoue quand même que c'était un petit peu marrant. Je peux au moins avoir mon coup de fil ? Oh, ok, mais fais vite. Bonjour. Stupide ! Crétin ! Mais, attendez, je... Pourquoi ces trois-là ne peuvent juste pas s'entendre ? Oh ! J'ai trouvé ! Je dois les rapprocher un peu plus et fusionner leur esprit en un seul. Et ils ne se battront plus jamais ! Oh, chérie, c'est un 24 corps Fred Reaper que t'as là. Oh, mes circuits puent. Loser. Ah ouais. Aïe. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous vous entendez déjà à merveille. J'ai besoin que tu me remplaces dans la cuisine. Je ne sais pas qui vous êtes, mais d'accord. Hé, hey, Stactos, qu'est-ce que tu fais? Je fais des spaghettis. On est dans une pizzeria. Voyons voir, de la sauce tomate, du thym, un peu de parmesan, l'eau de Manosens. Oui, oui, tout semble être présent. Mais où est la... Quoi? Il n'y a pas de viande. Quoi? Je ne peux pas, en bonne foi, faire des spaghettis bolognaises sans aucune viande. Il faut de la viande! Ok, Papyrus, je dois admettre, ça manquait vraiment de viande. On a bien fait de passer au supermarché. Ah ah! Ça doit être l'eau de bain de Sans qui prend effet! Salutations, mon cher compagnon robotique! Je viens t'apporter de l'aide. D'aide? Ouais, dis bonjour à mon fils! Il est fait de tous vos meilleurs atouts. Je suis parfait. Mettons-nous au travail, minable. C'est bien, fiston. Waouh ! Il se débrouille plutôt bien. 50 pizzas en une minute. Ha ! J'avais bien dit qu'il était parfait. Bah, ananas ! Je t'ai eu, minable ! Mais c'est qui, lui ? Ah ouais. Je n'arrive pas à faire la danse. Je suis coincé. Un peu d'aide, s'il te plaît. Bon, maintenant que t'es là, on va pouvoir aller voir les autres. Oh! Oh! Voilà, Ballora! Vas-y, appuie sur le bouton rouge. Qu'est-ce qu'il va faire? Appuie. Allez, rappuie dessus. Ah!
des circuits.